ne connaîtra jamais le secret. Alors maintenant, ça nous a passionné, mais on veut entendre ta voix. Non, le temps passe. Bon. Alors, non, mais il est bien rempli avec toi, je crois que tout le monde est passionné. Bon, mais on alors, va être dans Comme un château des fêtes, puisque je parlais de ce livre, bon, il y a une partie, ce sont des poèmes de fin d'amour dans cette partie-là. Bon, je vous en lis quelques-uns. Quelquefois, tu regardes au loin avec un sourire errant, bouche ouverte, absente, comme si on avait arraché de ta vie quelqu'un, comme on arrache à sa terre un lilas, un rosier. Les feuilles souffrent, ni la terre nouvelle, ni l'oubli ne guérissent l'irréparable blessure. On oublie comme il pleut, mais quelquefois entre deux ondées, le soleil revient irradier le paysage. Les routes sont fraîches, le ciel est devenu simple, il marche sur la terre, s'attarde dans les branches, s'en retourne vers les collines, le soir est habitable. Mais au coin des rues, un chien sans lieu, effrayé d'être seul, renifle des sacs d'ombre.